Sachez que ça m'est déjà arrivé où je crush sur le même gars que ma pote. Je me souviens un jour, on était sortis avec une de mes amies. On avait vu un gars, il était trop frais, trop chic, trop mignon et tout, bien sucré comme on aime là. Et puis j'étais avec ma bestie, je disais, le gars, si est sucré. Elle me disait, oui, il est sucré. On a dit, nous deux là, on trouve qu'il est sucré. Finalement, on va faire comment? Hello mes sucres, bienvenue dans notre top show en ce sucre. Ouh, ce soir, je suis seule. Malheureusement, je n'ai pas d'invité et j'aimerais que vous me dites en commentaire si vous préférez quand je suis seule ou vous préférez quand je suis avec des invités. Mais je vous avoue que c'est assez compliqué de trouver des invités puisque je suis nouvelle à Dakar, donc je connais pas encore grand monde et c'est pas tout le monde qui est disponible pour filmer des contenus avec moi. Donc j'ai décidé, pour être régulière et constante, de voilà faire des épisodes où je serai seule, mais sachez que je cherche à fond des invités intéressants pour venir nous donner du thé chaud ici, pour venir nous servir du sucre bien caramélisé. Mais pour le moment, on va le faire entre vous et moi ce soir. Donc, je compte sur vous pour interagir au maximum en commentaire. Chaque minute de vidéo cause avec moi, c'est vraiment une interaction, c'est un échange, c'est le but du top show. Et en plus, ce soir, on va parler d'amitié toxique. Ça sera chaud. Donc, recevons ensemble le thé du jour. Alors, Diana, tu peux commencer. Alors, Janice, oui. Je t'ai fait venir ici déjà pour m'excuser auprès de toi. On t'excuse pourquoi? Franchement, c'est compliqué. C'est moi qui suis la cause de ta rupture avec Stéphane. Comment ça? J'ai toujours eu des sentiments pour Stéphane. Quel modèle de sentiments? J'ai toujours des sentiments pour Stéphane. Et c'est moi qui ai demandé à Sarah d'aller vers Stéphane. Oh, je ne peux plus rester. Je pense que... C'est chaud. C'est vraiment très chaud. Déjà, j'aimerais savoir, à votre place, qu'auriez-vous fait? C'était ta copine qui t'annonçait que voilà, elle est la cause de ta rupture avec ton gars. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la gifler? Tu vas la cogner? Tu vas l'insulter? Ou tu vas tout simplement te lever et partir? Pour ma part, je sais pas. Franchement, moi, je suis le genre de personne, quand je suis trop choquée, je pense que je réagirai un peu comme celle-ci. Je vais me lever et partir. Je vais te bloquer. Mais si tu insistes à trop me parler, je vais te frapper. Clairement. La violence n'est pas bien. Alors, je vous explique un peu vite fait parce que cette histoire, si je l'ai vue sur TikTok, c'est en deux parties. Où une des besties a crush sur le gars de l'autre bestie. Elle crush sur le gars de l'autre bestie. Elle est jalouse de leur relation. Elle veut qu'ils se séparent. Du coup, elle voit une fille. Elle dit à la fille, va draguer le gars de ma bestie. Je te paye parce qu'elle a payé cette fille-là apparemment. Pendant que tu seras en date avec le gars de ma bestie, je vais appeler ma bestie. Quand ma bestie vient, tu fais genre comme si vous étiez en train de vous câliner et tout. Comme ça, ma bestie se fâche. Elle le quitte et puis je me mets avec lui. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça puisque... Quand la bestie a vu, elle s'est fâchée, mais elle n'a pas quitté le gars. Elle a conseillé à sa sœur d'une autre mère de quitter le gars ne la mérite pas. Elle disait non, il nie, il ne s'est rien passé et tout et tout et tout. Donc la goa a dit, ok, comme il a les dates avec d'autres filles, pourquoi pas toi tu auras aussi des dates avec d'autres gars? Comme ça, on ne sait jamais, un pied dedans, un pied dehors. Donc la bestie a écouté sa sœur d'une autre mère. Donc elle est aussi allée en date avec un autre gars. Donc du coup, quand elle est allée en date avec un autre gars, la bestie est allée appeler le gars de sa bestie. Il y a trop de besties, mais bon. Du coup, le gars de la bestie est venu voir que sa go est en train de date un autre gars. Donc là, il n'a pas supporté ça. Il a mis fin à la relation. Et quand il a mis fin à la relation, sœur d'une autre mère était très contente. Elle est allée voir le gars. Elle a dit, voilà, le gars ne te méritait pas. Maintenant, on peut se mettre ensemble. Moi, je t'aime et tout. Mais le gars, il n'est pas fou. Il a dit, mais toi... Et ta bestie, vous êtes les sœurs d'une autre mère. Donc, je ne pourrais pas sortir avec toi. Donc, il n'a pas accepté de sortir avec la fille. Donc, la fille a perdu le gars. Elle a perdu sa bestie.
Et voilà que tout laisse. Ce sont des choses qui arrivent très souvent. Sachez que ça m'est déjà arrivé où je crush sur le même gars que ma pote. Je me souviens un jour, on était sortis avec une de mes amies. On avait vu un gars, il était trop frais, trop chic, trop mignon et tout, bien sucré comme on aime là. Et puis j'étais avec ma bestie, je disais, le gars, si est sucré. Elle me disait, oui, il est sucré. On a dit, nous deux là, on trouve qu'il est sucré. Finalement, on va faire comment? On s'est parlé, on a dit, bon, si le gars vient te draguer, je laisse tomber. S'il vient me draguer, tu laisses tomber. C'est comme ça que les sœurs d'une autre mère parlent. Vous aimez trop faire les choses en cachette. Tu crushes sur le gars de ta copine, tu ne lui dis pas pourquoi. Il faut lui dire. Il faut lui dire que ma copine, ton gars là, franchement, c'est mon goût, c'est mon style. Il me plaît. Voilà. Soit je m'éloigne pour ne pas être jalouse, soit, tu te sépares. Parce que je me dis que tout le monde peut être jaloux ou jalouse. On n'est pas parfait. Mais c'est quand tu te laisses diriger par cette jalousie-là que ça devient très, très mauvais. Donc, il faut vraiment faire attention. On ne va pas la condamner un peu quand même. Moi, je me disais que ce soir, on allait parler des mauvaises amies, des bonnes amies, comment être une bonne amie. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, tout le monde se plaint. Voilà, cette copine est mauvaise, cette copine m'a trahi. Mais est-ce que toi, tu es une bonne amie? C'est la question de ce soir. Et surtout, comment reconnaître une mauvaise amie? Parce que je suis persuadée que celle-ci, elle avait déjà les red flags depuis par rapport à sa copine, mais elle fermait les yeux. Première red flag, ce sont les amis pick me, c'est-à-dire que quand vous êtes devant des garçons, elles veulent tout le temps te descendre. Parce que je me dis que si tu as besoin de descendre une autre femme pour te faire valider par les hommes, franchement, j'ai pas envie de traîner avec toi parce que tu es capable de me tuer. Deuxième red flag, ce sont des filles que quand elles sont en couple, elles t'oublient. Un gros red flag aussi, ce sont celles qui n'aiment pas quelque chose, mais elles le font à d'autres. Si par exemple, tu es du genre que tu n'aimes pas, peut-être qu'on prenne tes affaires sans te demander. Mais toi, tu ne te gênes pas à prendre les affaires des autres sans leur demander. Pour moi, c'est méchant. Moi, je trouve que c'est la méchanceté. Parce que tu sais que si on te fait ça va te faire mal. Mais toi, tu fais ça aux autres personnes. Je sais qu'on dit souvent que, ouais, on va reconnaître les vrais amis dans le malheur et tout ça et tout ça. Mais sachez que quand ton ami est toujours en train de t'appeler, sinon au travail, ça se passe bien. Ouais, ça se passe toujours mal. Ouais, Yako. Elle se réjouit de ça, elle se réjouit de tes souffrances. Elle peut bien camoufler ça en faisant semblant de pleurer avec toi, alors qu'au fond, elle se réjouit. Contrairement au fait que quand tu as ton bonheur, ça sera difficile pour elle de cacher son aigreur, en fait. Je t'explique. Je connais une amie qui, son gars lui a acheté une voiture. Elle a appelé une de ses potes pour lui dire, ah, mon gars m'a acheté une voiture, nanana. Tu vois un peu? Moi, elle m'a appelé pour me dire, mon gars m'a acheté une voiture. Moi, j'étais là, oh, on a la voiture, on a percé, nanana. Moi, j'étais contente pour elle parce que pour moi, si ma copine a la voiture, moi, j'ai la voiture. Mais elle a appelé sa pote est restée silencieuse, peut-être même 10 secondes au téléphone comme ça. Elle a dit, le gars, elle est bête, il t'achète la voiture, pourquoi? Dès que la fille s'est rendue compte que son aigreur était sortie au grand jour, elle a fait genre, ah, sinon, mes félicitations. Contente pour toi, Mago. Très bizarre. Très, 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 très bizarre. Sérieusement. Il faut vraiment faire attention quand vous annoncez de bonnes nouvelles à vos amis, leur réaction, leur visage, si elles sont vraiment heureuses ou bien elles sont en mode pensive, en mode comme ça. Au moins, même les 3 premières secondes, elles sont en mode. Red flag, ce sont les sorciers là-bas. Et ce soir, franchement, j'aimerais pas qu'on s'attarde sur les fake friends parce qu'il y aura toujours des fake friends. J'aimerais qu'on se concentre sur nous-mêmes, sur comment être de bonnes amies parce que je vous jure que moi, depuis que je me suis assise et que j'ai décidé d'être une bonne amie pour mes amis, je reçois que des pépites dans ma vie. Et ça me permet de connaître mes limites, ça me permet de faire le tri, parce que je sais ce que je donne, je sais ce que je dépose sur la table et j'aime pas avoir des amitiés bizarres, ok? Donc, première chose, comment être une bonne amie? Déjà, pour être une bonne amie, il faut te connaître toi-même. Il faut déterminer le genre d'amie que tu aimerais avoir.
et être ce genre d'amis-là. Par exemple, moi, j'aime bien les cadeaux. Quand mes amis me saucent, me disent, gars, tu es trop belle. J'aime trop quand mes copines me draguent, en fait. Genre, quand là, je mets une story comme ça, elles me saucent, elles disent, waouh, Margot, et tout, et tout, et tout. En parlant de ça, autre red flags. Ta copine qui voit tes posts en story, qui voit tes posts en feed, mais de like jamais. Genre, elle passe comme le taxi plein. Même un petit commentaire, Margot, tu es trop fraîche, Margot, tu es trop belle, elle passe. Elle voit ton business, elle passe. Elle est là comme ça, elle te guette. Elle est juste là comme ça, comme figurante dans ta vie. Gros red flag. Je vous ai dit que l'histoire de red flags, la liste est vraiment longue. Donc, je compte sur vous pour mettre en commentaire tous les red flags. Parce qu'on doit les détecter. On doit les détecter, ces fausses filles-là. OK? Mais moi, je me dis, pour être une bonne amie, faut toi-même être l'amie parfaite que tu aimerais avoir. Personnellement, je me suis assise à un moment donné, je pense qu'en 2022 ou 2021, comme ça, quand je me suis rendu compte que j'avais autour de moi la plupart des gens, des personnes fake, ok? Je me suis posée, je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est de ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quelles sont les choses que j'ai vues mais que j'ai laissé passer et tout et tout et tout. C'est là où j'ai vu que voilà, il y avait les red flags que je voyais depuis, mais je fermais les yeux. Ensuite, je me suis posée et je me suis dit souvent même c'est de ma responsabilité. Parce que souvent on a tort. Oui, souvent on a tort. Souvent c'est nous les toxiques. Souvent c'est nous les méchants. Pas chaque fois, mais souvent on a tort. Donc c'est pas toujours les autres. C'est ça que je dis souvent, il faut s'asseoir et se poser la question que voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, moi, j'avais une amie. Franchement, elle était vraiment une bonne amie. Franchement, j'avais rien à reprocher à cette fille-là. Mais c'est juste que je ne l'aimais pas comme elle m'aimait. Je m'étais même pas rendu compte de ça. C'était un pote comme ça qui m'a dit, ouais, ça fait longtemps, je vois plus telle ici et tout et tout. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps et tout. Et puis, il m'a dit, pourquoi tu vas pas chez elle? Je suis restée, j'ai dit, tu sais que je connais pas chez elle. Alors que la gauche, tout le temps, elle venait chez moi. Moi, je me suis rendu compte que je ne partais jamais chez elle. Genre, j'avais honte en fait. Et puis, quand j'ai écrit à la fille et tout, pour lui dire, ah, ça fait longtemps et tout, elle m'a dit que voilà, elle a pris ses distances parce que voilà, depuis 3 ans, on se connaît. 3 ans, je ne l'ai jamais souhaité joyeux anniversaire. Voilà, les trucs importants, j'oublie, machin et tout. Alors que elle connaît tous mes trucs, elle est là et tout et tout. J'ai eu honte. J'ai eu honte, je me suis excusée, j'ai dit que voilà, je vais essayer de me rattraper et qu'elle a raison. Parce que je voyais que la go m'aimait et moi, je n'étais pas une bonne amie pour elle. Enfin, je savais que c'était quelqu'un qui était bien, mais je la prenais pour acquis. Donc, pour moi, pour être une bonne amie, il ne faut pas prendre tes amitiés pour acquis. Moi, j'ai vraiment arrêté de faire ça depuis ma conversation avec la fille là. Donc, de temps en temps, je check mes amis. Je leur dis que voilà, je les aime, je suis fière d'elles. Même si on ne se parle pas tous les jours, je t'aime, je pense à toi, que Dieu te bénisse, je prie pour toi. Je ne prends plus mes amitiés pour acquis parce que c'était quelque chose que je faisais avant et ce n'est pas bien en fait. Aussi, être une bonne amie, c'est écouter les autres. C'est-à-dire que quand je dis écouter, ce n'est pas toujours de rester là, de passer seulement à toi, à toi, à toi. Soit à l'écoute de l'autre, soit attentionné. Moi, c'est des trucs maintenant que je fais. Pour être une bonne amie, je suis très très attentionnée. C'est-à-dire que quand tu viens chez moi et mes amis commentez si vous êtes d'accord, quand tu viens chez moi et que je sais que tu aimes quelque chose, à chaque fois que tu vas venir chez moi, si j'ai la possibilité, je vais te donner ce que tu aimes. Si par exemple, je sais que tu aimes bien le chocolat, à chaque fois que tu viens chez moi, si je vois le chocolat, je vais acheter pour toi. Tu vois, un peu, je vais toujours penser à ça. Si tu m'as dit un petit truc que tu aimes bien manger et tout, quand tu vas venir chez moi, je vais préparer ça pour toi. Parce que ce sont des petites attentions, en fait. Je t'écoute, je suis attentionnée, je suis attentive. Et c'est ça qui fait en sorte que on ne prend pas l'amitié pour acquis. On essaye de romantiser nos amitiés. Voilà quoi. Parce que nous, les filles, là, on est trop concentrées sur les relations amoureuses. Mais quand c'est tes copines, tu es là comme ça. Tu les gères pas, non. Pour être une bonne amie, il faudrait que vous appreniez à communiquer. C'est vraiment un gros problème que nous on a aujourd'hui, le manque de communication. Parce qu'on se dit, voilà, c'est ma pote, elle a sûrement fait ça pour me blesser et tout, alors que peut-être la fille a fait ça sans s'en rendre compte, parce que peut-être c'est son comme ça. Tu vois un peu. Mais si tu gardes pour toi, tu ne dis pas à ta copine, elle va refaire, parce que pour elle, il n'y a pas de problème. Elle va refaire jusqu'à ce que tu vas garder, accumuler, bim, ça va péter. Et c'est pas bien. Et tu vas maintenant, et quand ça va péter, elle va pas comprendre pourquoi ça pète. Toi, tu vas pas comprendre comment elle ne comprend pas pourquoi ça pète.
Et puis l'amitié est gâtée comme ça parce qu'il y a eu manque de communication. Moi, je n'aime pas ça en fait. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui garde les choses pour moi, mais j'ai déjà eu les amis qui ont eu à garder les choses pour elles contre moi. Genre, peut-être je fais un truc, elles ne me disent pas. Et moi, je refais. Moi, je ne lis pas dans les pensées en fait. Franchement, même dans ma relation amoureuse, je ne lis pas dans les pensées de mon chéri. Si je fais quelque chose qui ne te plaît pas, dis-moi. Parle. Si tu ne parles pas, je ne vais même pas me rendre compte parce que je ne suis pas le genre de personne que tu vas bouder. Je vais savoir. Franchement, c'est pas comme si je ne suis pas attentionnée ou quoi. Franchement, je suis très attentionnée. Mais si tu boudes, sans me dire pourquoi tu boudes, je vais dire, ah, peut-être que tu es dans tes phases, surtout si tu es mon ami. Je vais dire, ah, peut-être tu es dans tes phases, peut-être tu as les goumets là-bas, peut-être tu es foiré, peut-être tu es fauché, tu n'as pas l'argent. Je ne vais même pas prendre ça personnellement, en fait. Je vais juste te laisser ton espace. Quand tu as fini de bouder, on va continuer notre vie. Souvent, quand vous avez des problèmes avec vos copines, si elle t'a fait quelque chose, dis-lui. Assieds-toi, tu lui dis, gars, l'autre jour, tu m'as fait ça, ça m'a offensé. Et dis ça de la bonne façon parce que moi aussi, ça, c'était un problème que j'avais. C'est que je disais ça de la mauvaise façon. Quand j'avais un problème avec ma pote, je parlais mal. Voilà. Je parlais mal, genre, je vais te dire. Ah, Et moi, je suis le genre de personne que je sais accepter les critiques. Je ne suis pas contre la critique parce que moi, dans ma tête, je ne suis pas parfaite. Et pour moi, les relations avancent, ne sont pas statiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours les choses à peaufiner. Si peut-être avant, par exemple, j'ai une amie qui me disait, ouais, Audrey, depuis quand tu portes les robes, avant, c'était pas trop ton style, nanana. Et moi, j'ai dit, ah, voilà, j'évolue. Donc, elle me dit, ah, donc ça veut dire que prochainement, je peux t'acheter des robes comme cadeau. J'ai dit, oui, parce qu'avant, je portais pas trop de robes. Donc, pour dire que chaque jour, tu apprends à te découvrir toi-même et sache que c'est la même chose pour une autre personne. Donc, si elle a de nouvelles passions, de nouvelles ambitions, de nouvelles trucs, tu dois écouter et évoluer avec elle. Pas en mode, tu restes, tu t'attends toujours à ce qu'elle soit la Audrey de l'époque. La Audrey, par exemple, tu as vu ta copine qui, voilà, elle était là au quartier, elle faisait rien, elle était pas vraiment, elle n'avait pas encore découvert son plein potentiel. Aujourd'hui, elle connaît son plein potentiel. Elle a décidé d'être féminine, elle a décidé de d'avoir confiance en elle, elle a décidé de faire un business et tout et tout. Et toi, tu es toujours en train de rappeler que, ah, tu fais le business. À l'époque, tu disais que ça, non. À l'époque, tu étais comme ça. Tu as changé, hein? Tu as changé, hein? Tu as changé. Acceptez que vos amis veulent changer. Acceptez. C'est pas mauvais de changer. Toi-même, tu changes. Si on te dit pas, mais toi-même, tu changes. Donc, accepte que ta copine change. Voilà. Et vois si ça te va, tu continues avec elle. Si ça te va pas, tu t'éclipses. Mais arrêtez de faire culpabiliser les gens parce que ils ne sont plus comme vous les avez connus, en fait. Arrêtez ça. En dernier, pour être une bonne amie, il faut soutenir ta pote. Quand elle fait un business, achète. Quand elle fait quelque chose, like, commande, partage. Quand elle a un problème, sois là pour elle. Quand elle est heureuse, sois là pour elle. Faut prier pour elle. Faut créer des moments, les souvenirs avec elle, vraiment être intime. Maintenant, pour moi aussi, un petit débat ouvert. J'aimerais savoir votre avis en commentaire parce que je vois souvent ça sur les réseaux sociaux où on dit que si ta copine te cache des choses, est-ce que tu dois, est-ce que ça veut pas dire qu'elle n'a pas confiance en toi? Est-ce que c'est une mauvaise amie? On va prendre un exemple. Ta copine, elle est tombée enceinte. Elle ne te dit pas, elle te dit juste quand elle a accouché. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne te considère pas qu'elle est une mauvaise amie? Moi, non. Parce que j'estime que tu as le droit de partager des informations que tu veux avec moi. Et comme tu as le droit de ne pas me partager, si tu as un nouveau gars, tu ne veux pas me dire, je ne vais pas me fâcher. Si tu t'es remis avec ton ex, tu ne me dis pas, je ne vais pas me fâcher parce que c'est ta vie. Là où je peux me fâcher, c'est si tu viens me dire quelque chose, je te donne des conseils, je mets mes organes pour que les choses changent et toi, tu ne fais rien. C'est là où je vais me fâcher. Mais dans le cas contraire, frère, je ne vais pas m'énerver parce que je n'ai pas que ça à faire en fait. Dans la vie, je ne suis pas obligée. Pour moi, en amitié, chacun peut avoir son jardin secret. On n'est pas obligé de tout se dire. Et moi, je déconseille même de tout dire à tes copines parce que les choses de tout se dire, là, ça se retrouve toujours au carrefour. Je ne veux pas dire qu'on doit être sournoise, mais quand tu sens que l'information que tu vas dire si à ta pote, c'est une information qu'un jour peut retourner ça contre toi, ferme ta bouche. Si tu allais faire les choses sombres dans le couloir là-bas, ne parle pas, tais-toi. Garde seulement, prie. Prie même à ta mère, ne dis pas. Prie parce qu'il y a les choses qu'on ne dit pas. Il y a les choses que toi et moi, on ne dit pas. Pourquoi tu vas laisser ça à ta copine ou la soeur d'une autre mère? Mon frère, c'est la soeur d'une autre mère, mais elle a sa mère. Faut faire attention.
Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui pour le petit sucre du jour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour interagir au maximum, liker, commenter, partager. Je vous fais plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode de On se sucre. Bye bye.